Et on commence cette nouvelle émission avec un jeune chanteur, à l'époque en tout cas, d'origine russe. Et c'est avec ce premier gros tube, Slave, si l'on exclut Rien que pour toi, sorti quelques mois plus tôt, que François Feldman, puisque c'est de lui dont il s'agit, réussit à s'imposer dans le cœur des Français. Alors être slave, c'est appartenir au groupe ethnique d'Europe balkanique et orientale. Les slaves du Nord, les Russes, les Polonais, les Ukrainiens, les Tchèques et les Slovaques, et puis les slaves du Sud, les Serbes, les Croates, les Slovènes et les Bulgares. Et Slave, cette jolie ballade écrite et composée avec son complice parolier, mais aussi parfois compositeur, Jean-Marie Moreau, qui d'ailleurs au-delà de C. Jérôme où Julie Pietri couvrira la quasi-totalité de la carrière de Feldman, séduit grâce à sa forte mélodie mélancolique et à son texte fort. C'est une cinquième place au top 50 en 1988. Belle et belle de toutes vos forces, vous êtes fragile.